à tous mes petits biscuits caramélisés au chocolat au lait avec du croustillant au-dessus et à l'intérieur que je vais croquer avec ma grande gueule bien ouverte. Bonjour, bonjour, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster après cette belle petite intro et vous le voyez, une nouvelle attraction qui est en face de vous. Ah je suis heureux les gars. Je suis heureux parce que les amis, mon parc a encore beaucoup changé. Et je suis très content parce que je me suis senti bloqué. Je me suis senti bloqué et je me suis débloqué d'un coup. Je vais tout vous expliquer. Je vais tout vous expliquer, je suis très content, vous m'en direz des nouvelles. Alors, je vais pas ressasser en boucle à chaque fois ce qu'on connaît déjà. Parce qu'au bout d'un moment ça commence à bien faire. Par exemple cette nouvelle attraction de Monster, j'ai rien changé. J'ai rien changé à part à rajouter des arbres ici. J'ai ajouté de la déco ici. Juste là, voilà, j'ai ajouté de la déco en mode Far West, des arbres également. J'ai ajouté aussi des lumières que vous voyez ici, des projecteurs. Donc de nuit, alors attendez, qu'est-ce que c'est que ces histoires? De nuit, forcément, ça rend assez sympa. C'est pas non plus, il n'y a pas 32 000 lumières encore. Hein. Je sais pas, voilà, je prends en note vos conseils en commentaire, les gars. Mais voilà, pour le moment, c'est encore un petit peu léger. Au niveau de l'entrée du parc d'attractions, bon, alors j'ai rajouté plus de véhicules et là, j'ai ajouté juste pour le fun. À vrai dire des petits tacos, mais vous voyez c'est une attraction, tu vois, mais c'est genre pour faire genre qu'il y a de la circulation. Là c'est juste pour le fun les gars, ça c'est juste pour le fun. Au niveau de l'entrée du parc, là je sais pas quoi faire. À droite j'ai un espace, j'ai mis des grillages partout autour, donc pour pas passer par là. Mais ici je sais pas quoi faire, si vous avez des idées. Là j'ai rajouté une petite cascade d'eau, pourquoi pas, toujours sympa, avec ici The Monster. Monster, na, 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 na. Oh oh oh, go le gars. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai fait. Là j'ai rajouté des plantes aussi, histoire d'ajouter un peu plus de détails. Parce que le bâtiment, je sais pas trop comment l'améliorer. Je suis un petit peu naze. Voilà, je suis un petit peu naze. Mais en tout cas voilà. Le gros truc que j'ai fait les gars, c'est que j'ai rajouté un chemin. Donc là, en fait, le problème avec mon parc, c'est qu'il y avait qu'un seul chemin principal qui menait là-bas. Il y avait un chemin qui menait là, mais c'était un cul-de-sac. Et puis le chemin là qui mène là, et c'est un cul-de-sac. Et du coup j'ai rajouté, vous le voyez ici, une avenue. Enfin une avenue, un petit chemin mais qui est très emprunté. En gros je vous explique. Donc là c'est l'allée principale. Ici c'était au début, c'était fermé ici. Justement il y avait le coin un peu restauration. Oh les fils de pute, je suis là passionné, j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Et voilà ce que comment on me remercie. Non mais ça va quoi, j'espère que vous allez mettre plein de pouces bleus au moins les amis hein. Donc là voilà, j'ai mis un petit chemin avec des escaliers, donc de sorte à ce que ça fasse pas trop haut et que ce soit pas trop sportif non plus. Avec justement l'attraction des mines juste à côté. Pareil, j'ai mis des grillages partout en fait pour tout sécuriser parce que c'est relativement dangereux. Là on a le Green Hell juste ici. Et donc là tu vois j'ai mis les machins pour que les visiteurs puissent se mettre, voilà, point de vue panoramique, comme ça ils peuvent regarder. En vrai la vue est assez sympa, tu vois. T'as un beau petit truc. Là tu vois l'attraction des mines. Je vais en accélérer pour qu'on voit un train passer parce que c'est assez amusant. Ah pareil, on voit les bûches là. Voilà. Alors est-ce qu'il y a un train qui va arriver? Pas du tout. Il y a aucun train qui vient, frère. Ça se trouve l'attraction elle est en panne et je ne le sais même pas. Ah l'attraction est vraiment en panne. What? Mais j'ai dit ça pour rigoler moi. L'attraction est en panne, mécanicien en route. Il est où? Ah il sort du tranquille. Par contre elle tombe beaucoup en panne cette attraction là, c'est pas normal. Bon bah ma foi, le mécanicien est en route. Mais du coup voilà, là on a la petite vue sur les mines. Donc là on peut continuer par ici, vous voyez que c'est quand même bien fréquenté. Faudra que j'ajoute des poubelles par contre. Faudra que j'ajoute des poubelles. Les lampadaires volent, alors ça c'est normal. En fait c'est la magie de Noël. Voilà, c'est tout simplement la magie de Noël. Hop, voilà. Je suis le père Noël et j'aime les boules. Il y a plein de déchets, faut que j'ajoute des poubelles. Et là vous voyez c'est sympa parce que bah on voit les bûches en fait. On a les bûches juste à côté, donc ça c'est plutôt sympa. L'attraction des mines qui ne fonctionne pas malheureusement, mais voilà, ça aurait été sympa de pouvoir voir. Là pareil on peut voir. Faudra que j'ajoute des protections. Voilà. Ah, tant que je vous montre tout de suite. Pour l'attraction des mines, j'ai ajouté quelques décorations. Bon là j'ai ajouté bon alors c'est des archéologues. Mais du coup pour que ce soit des mineurs. Des mineurs, alors je ne parle pas d'âge, je parle bien des mineurs avec des pioches. Là j'ai ajouté un archer. J'ai ajouté quelques éléments de déco, voilà. Et à l'intérieur des mines, la fumée, tout ça. Toujours des mineurs. Et là voilà, j'ai ajouté quelques petits. Voilà, ça fait plaisir. J'ai pas non plus 100 000 idées. Mais voilà, au moins j'ai fait quelque chose histoire que cet endroit serve à quelque chose. Parce que bah, y avait rien quoi. Il y avait rien, donc j'ai ajouté quelques petits détails. Mais je suis preneur de toutes vos idées en commentaire, les gars. Lâchez-vous, hein. Parce que je vois que vous êtes un peu timide dans les commentaires. Vraiment, soyez pas timide, hein.
Franchement, voilà, vous bombez le torse et vous mettez vos commentaires, il n'y a pas de problème. Donc là, voilà, on voit les bûches. Là, au moins, les gens viennent pour se faire éclabousser parce qu'avant, il n'y avait personne. Et c'est ça ce qui est cool aussi. Attendez, je mets le jeu en pause. C'est ça ce qui est cool, c'est qu'ici, il n'y avait personne avant. Et là, aujourd'hui, ben, c'est blindé. Il y a plein de monde. Alors là, l'attraction fonctionne très très bien pour The Monster. Et là, la nouvelle attraction que je vais vous présenter, elle fonctionne très très bien également. Bah, en fait, regardez la queue. Alors, l'attraction s'appelle Lovers on the Sun. Moi, j'ai dû abréger. Hein. Lovers on the Sun, pourquoi? Parce que c'est un titre. Alors, il y a un S, frérot. Tu me respectes. C'est un titre de David Guetta. Hein, voilà, je pense que vous avez compris maintenant la ref. Et forcément, bah, c'est Far West. Donc, voilà, j'ai tout de suite pensé à ça. Vous voyez, j'ai camouflé les trucs. J'ai tout fait la file d'attente de moi-même. J'ai tout camouflé. Voilà, j'ai tout camouflé. Donc, la file d'attente. Ah merde, j'ai pas mis de barrière droite. C'est pas grave. Pas mis de barrière. Mais voilà. Donc, la file d'attente, là, elle est super, super customisée. Je suis. Voilà. Franchement, hey, Banaïf. Banaïf, si tu passes par là, j'attends de voir ton retour. N'hésitez pas à le mentionner sur YouTube si jamais pour qu'il passe par là, parce que comme ça il pourra voir mon évolution et je pense qu'il sera peut-être pas fier de moi, mais il sera quand même peut-être assez content et surpris, enfin peut-être pas surpris mais content de voir, voilà. Donc là l'attraction est là, on va faire un on-ride parce que je suis assez content. Là c'est la sortie, donc la sortie comme ça tu peux voir les wagons qui passent là, c'est pas mal hein. Et puis là tu passes par là pour sortir, donc c'est une attraction avec... Bah c'est une attraction, je vais passer pour vraiment un kikou. C'est un coaster avec plein de looping. C'est un Looney Turns. Donc c'est pas une attraction Far West, mais je l'ai thématisé Far West. Donc voilà, on va faire un petit tour les gars. Oh bah parfait, je vais me mettre dans ce wagon là. Elle est pas encore tout à fait décorée. Pour ainsi dire, elle est même pas décorée quoi. Il y a juste un piano à gauche. Là j'ai pas trop d'idées quoi. Mais voilà, vous m'en direz des nouvelles. Je vais me taire et je vais vous laisser tout simplement profiter. Voilà, je suis content. C'est parti, bon visionnage. N'oubliez pas le pouce bleu. Et voilà les amis, fin du voyage. Franchement,
Voilà, j'ai hâte. Vous me direz en commentaire vos avis, votre note. Et puis voilà. Et résultat des courses, cette attraction là, alors c'est pas non plus un franc succès, mais du coup il y a des gens qui font un tour de bateau, regardez là. Donc ça fait voilà. En fait c'est ça ce qui est cool, c'est que du coup cette zone, c'est une zone qui maintenant est exploitée et exploitable même d'ailleurs. Parce que maintenant voilà, il y avait en fait c'est ça ce qui me rend ouf, c'est qu'il y avait genre vraiment personne qui venait ici. Et ça y est, l'attraction refonctionne. Ah, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir, mais voilà, c'était vraiment une zone, les gens s'arrêtaient là. Les gens s'arrêtaient là. Depuis que j'ai mis cette attraction, les gens allaient jusque là et timidement allaient par là mais revenaient assez rapidement parce qu'ils s'en foutaient un peu de ça. Puis résultat, maintenant que j'ai passé le chemin là et en plus que j'ai mis cette attraction là, c'est une zone qui devient plus exploitable. Je vais pas chercher à m'étendre plus loin sauf si j'enlève cette attraction là. Si j'enlève cette attraction là, c'est possible. Mais je pense que je vais le laisser même si niveau bénéfice, c'est pas... voilà. De toute façon vous aviez raison en commentaire, il faut pas regarder ça, on est là pour s'amuser, pour faire un truc plausible. Donc en vrai c'est toujours sympa, là il faudra juste que j'ajoute plein de décors. Mais voilà, je pense pas qu'on va s'étendre plus vers là-bas, de même pour là on va pas plus aller loin. Niveau coaster on a notre dose hein, je pense hein. On a notre dose niveau coaster, ça sert à rien de vouloir trop en faire pour pas grand chose. Donc là je pense qu'on est, plutôt pas mal et je pense qu'on a vraiment la base du parc maintenant. Et ça me fait plaisir de voir maintenant l'étendue du parc, de voir un petit peu à quoi ça ressemble au fur et à mesure comment ça a évolué, sachant que ce qui me fume, comme dit, ce qui me fume c'est qu'avant la limite du parc c'était ça là, là où est ma souris c'était la limite du parc, et puis maintenant on s'est un peu étendu par là. Donc voilà, que nous réserve l'avenir. Mais en tout cas là je suis plutôt content, j'ai hâte de vous lire. Sinon est-ce que je vérifie vite fait, comme d'hab je vais passer à côté de certaines choses, mais en vrai je pense pas que il y ait tant de nouvelles choses. J'ai ajouté quelques éléments ici, mais c'est des trucs préfaits, là, vous voyez, des bâtiments qui ont été préfaits. Donc c'est rien de bien nécessaire, enfin rien de bien important. Là, j'ai rien amélioré ou quoi. Les attractions fonctionnent très très bien. Oh putain, qu'est-ce qui se passe encore? Oh, l'attraction est encore en panne. Non, mes frères. Alors par contre, je suis preneur, les gars. Si vous avez une solution pour que les attractions arrêtent de tomber en panne toutes les 2 minutes, littéralement, je suis preneur. Parce que là, par contre, ça me gonfle. Genre là, frère, la queue, elle va jusqu'ici. Là, il n'y a personne, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Voilà, donc franchement, je suis preneur de vos astuces. Visiblement, je maîtrise pas encore parfaitement, quoi. Ici, j'aime bien cette file d'attente. Comme dit, c'est la toute première file d'attente que j'ai vraiment fait comme ça. Et ça m'a vraiment donné la force de faire des trucs comme ça, là. Donc je suis content, je pense que vraiment, je ne peux que m'améliorer au fur et à mesure. Mais je prends vraiment en note vos commentaires, vos idées, quoi. Donc voilà, j'ai hâte de vous lire. Et encore une fois, soyez pas timide. Franchement, soyez pas timide. Je compte sur vous pour vraiment commenter en masse. Et pourquoi pas partager la chaîne à vos potes. Tiens, petite parenthèse, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous voulez me soutenir de ouf, bah juste partager la chaîne à vos potes, la vidéo à vos potes. Franchement, c'est que du bonus. Donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Et puis voilà, ouais, j'ai rajouté des tentes ici, c'est incroyable. C'est tout, voilà, c'est le petit détail. Ok, bah je crois qu'on est pas mal. J'avais oublié de préciser, mais voilà, dans la dernière vidéo, j'étais content et je vous en ai pas parlé, mais tout simplement j'ai fait... C'est relativement plausible ce parking, il est pas spécialement beau, mais donc là c'est parking voiture, et là c'est parking bus, et les bus ils peuvent passer par là, tac 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 tac. Enfin vous voyez, voilà, et puis ils ont une sortie. J'ai fait une sortie exprès pour les bus ici, tout simplement. Voilà, et puis là il y a la zone backstage... Alors faut passer par la zone bus du coup, mais ils ont le droit à les employés. Voilà, c'était juste ça que je voulais rappeler. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et à très vite pour de prochaines aventures. Moi au moment où vous verrez cette vidéo, je crois que je suis de nouveau rentré à la maison dans la vraie vie, je crois. Donc voilà, allez, plein de bisous, ciao tout le monde. You can call me stupid.